Notre pire ennemi est là, juste devant nos yeux. Salut à tous, c'est Lou. On se retrouve pour Heroes of Might and Magic 2 et c'est la guerre. C'est la guerre contre Idn Phalan. Je crois qu'on peut pas le recruter dans les parties normales. À mon avis, il doit être dans le... Comment dire? Dans le scénario, dans cet épisode-ci. Enfin bref. Normalement, ça devrait aller. On a recruté plein de personnages. Il a commencé à diviser son armée en plus dans l'épisode précédent. On a reculé pour mieux sauter. Donc on va tenter de l'avoir avant qu'il me chope mes autres châteaux. Ça vraiment j'aimerais pas. Où est-ce qu'il va? Il rentre. Et vraiment il faut qu'on se focalise sur lui. Il y a pas. Le reste on s'en fiche. Il est trop dangereux avec ses fantômes. Et après, on pourra reprendre tranquillement les châteaux qu'il nous a pris. Au début, je pensais vraiment que le scénario allait être foutu, mais franchement... Il y a peut-être moyen quand même. Hein. Si on arrive à le battre lui... Surtout que là, il est bien affaibli. Il a vraiment bien divisé son armée. Ah, bah... C'est lui qui vient. Alors. Donc, lourdeur collective. Le problème, c'est qu'on l'a un peu renforcé, on lui a créé des fantômes, mais bon. Ok, pas mal. Parce qu'il avait 700 fantômes à la base. Là, 170, ça va. Allez, un bon coup là, un bon coup. Par contre, si les fantômes touchent ne serait-ce que mes galopins, alors là... Pff. Ce serait terrible. Je tente même pas. Là, il est foutu. Ok, bon. Il n'y a plus qu'à récupérer les châteaux. mille points d'expérience, tout va bien. Les brodequins du nomade. Le fer à cheval en or. Le fléau genre de domination. Le bras du martyr, ça c'est un nouvel artefact. Expert en navigation, ça va nous aider. Alors, ah, j'ai peut-être perdu des artefacts du coup. Dommage. Rallonger déplacement sur terre, ça c'est bien. Le bras du martyr donne 3 points de magie supplémentaires mais augmente la pénalité du moral des créatures de l'au-delà. Bon, je veux pas de créatures de l'au-delà donc. Un point d'attaque supplémentaire, attaque et défense. Parchemin de lourdeur, ça on peut le jeter. Hein. Enfin, on peut le donner à quelqu'un d'autre. Ok. Ok. Donc ces fameux vampires qu'il a divisés un peu partout. Bof. Je vais tout raser avec ma grosse armée là.
Oh. En plus, on va croiser un autre château de magicien où on pourra se renforcer. 10 000 points d'expérience. Ok, alors attends. Ce que je vais faire. Niveau 3, Alone. On va prendre Alone. Allez, hop. Du coup. Alors attends. Le ça. Lourdeur. S'en fout. Immunise contre les sorts de paralysie. C'est pas mal. 2 points de magie supplémentaires, c'est quand même pas mal. Augmente la chance au combat. Mais j'ai pas déjà des trucs de chance. Si, chance niveau expert. Hop. Point de défense, immunise les troupes contre les sorts de mort. Fou. Réduit pour jeter un sort de malédiction. Ouf, 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 ouf. Le garder. Ok. Comme ça au cas où. Voilà. Ah bah attends, il y a des galopins, écoute. Et des sangliers en fait. Voilà. Ah, on fait des petits allers-retours, c'est pas grave. Ça s'en va et ça revient. Dou, 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 dou. Allez, hop. Quant à toi, Bichette. Avant qu'il soit tenté de recruter. Alors, 260 ici. Mais c'est bien, il a divisé tous ses vampires. Beaucoup de squelettes aussi ici. J'aime pas ceux qui tirent. C'est juste pour pas que le. Voilà. La licorne ne touchera pas mes osios comme ça. Alors, on va faire un sympathique petit miroir. Voilà. Pas grave. Déjà ? Voilà. 15 000 points d'expérience. Ça me va, hein. J'aime bien jouer à un héros quand même. Avoir un héros super méga puissant. Foudre. Non, non, pas foudre. Avec ses 140 vampires. Prends pas de risque. Impossible pour eux de faire quoi que ce soit. Merci lourdeur collective, là pour le coup.
Voilà. On gagne même. On a toutes nos compétences au maximum, donc on gagne plus de compétences. Ça, on l'a déjà fait, hein. Grande malédiction. Ah, je sais plus si je l'avais repris, tiens. Attends qu'on passe au Xanadu là et qu'on chope. Qu'on chope plus un point dans chaque compétence. Enfin, dans chaque statistique. Là, il a laissé ses dragons. J'ai l'impression qu'il recrute pas de personnages. Bim! Même punition. Alors, on va rester une nuit dans le château quand même, parce que j'ai besoin de points de magie. Même si j'ai mysticisme. Si on a un gros combat qui arrive. Allez, dragon, c'est violent. Les dragons là, ils sont quand même violents à repousser. Bon, on a eu la bonne technique, comme d'habitude, de faire diviser ces points. J'aime pas les tireurs. Qu'est-ce que je viens de dire sur les tireurs? Super efficace hein, la baliste. Ah oui, j'ai vraiment plus beaucoup de... Bon. Ça c'est pour le dragon. Ouais. Vite avant qu'il approche. C'est bon. Tu ne tireras plus. Voilà. 19 000. Et tout ça à chaque fois. Sans aucune perte. Donne-moi mes gentils titans. Des galopins, des osios. Bon, de toute façon, on va rester là. Hop. Ah bah, la population augmente. Bim! 600 galopins, ça te fait quoi? 156 cochonous. Hop, allez. Je vends tout. Hop là. Pas mal.
Je vais aller reprendre ça. Tiens, au passage, ouais. Je vais reprendre le mot. Alors, le bleu, c'était cimetière, si je me souviens bien. Alors, le mot vert, j'ai complètement oublié. Ok, donc, il n'y a plus le rouge terrible. Des thunes. Un temple. Morale des troupes. Et là, on augmente la défense. C'est parfait. Détruire. Cimetière, détruire. Pas encore visité. Eh ben écoute, ce sera l'occasion. Il n'a pas la porte rouge, j'espère. Alors le jaune, est-ce qu'il est dangereux le jaune? Et le violet aussi, il est dans le coin là. Allez. J'aime bien ma petite technique. Alors, hop, ceux qui tirent. On a bien réduit les effectifs. Les titans là, à mon avis. Combien reste de points de vie? 180, bah non, ça va en fait. Bon, on risque de perdre un petit peu de son gligli. C'est ça. Allez. Quick. Ok. Autre dimension, souffle de feu, foudre. Très bien. Niveau 1, niveau 1. Ah, vous manquez de thunes ici, dis donc. Protégez pas vos châteaux. Ah, il a pu passer. Il a le mot rouge. Alors, qu'est-ce qu'il a comme armée? Bon, elle est pas pire que celle qu'on a affrontée. Et après celle qu'on a affrontée. On entend dans l'arène, on se trouve nez à nez avec des lions affamés. On les tue tous et la foule nous acclame. Impressionné par le talent de guerrier, le chef des gladiateurs accepte de nous former dans le domaine de notre choix. Attaque, défense ou magie. Attaque. Comment veux-tu que je défende tout? Kalindra.
Alors, très rapide. Rapide. Voilà. La chance, c'est bien. Hein. Efficace. Le cromlech là, c'est important pour la connaissance, au fait. Mais en fait, attends. Ah, mais c'est juste que moi, je peux y arriver, du coup, sur cette porte-là. Oh, relou. J'avais acheté mes défenses. Tous ces trolls et ces orques qui ne servent plus à rien maintenant. Je vais les tuer. Non, le passage rouge, c'est juste qu'elle a ouvert le passage, mais elle ne peut rien faire, elle est coincée là. Mais juste si moi j'accoste, je peux me débarrasser d'elle. Allez, au moins un. Même pas. Hop, magie plus 1. Complètement buté là. Même pas, même pas. 14, ils m'en butent même pas. Hein. Pauvre bête. Hop, c'est à moi, en fait. Bon, faut que j'aille... J'aimerais bien choper la tour d'observation et en même temps... Là, il y a encore un petit relou qui passe. Ça, c'est vraiment triste. Il me l'avait buté, quoi. Bon, vas-y. Ah, ouais, quand même. Quand même. Bonne armée. Pas évident là, déterminer. Bon, quand même les tireurs. Un bon coup, mais il faudra s'occuper du loup. Ah bah tu vois, ils ont réussi à en buter, hein. Alors... Bon. Voilà. Et là, les loups. Aïe, aïe. Stop. Ah, mes galopins. Oh.
Oh non, pas Messi sans galopin. Oh non, 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 je les aime trop. Non, c'est pas auto que je voulais faire. Oh non, mais hors de question. Hors de question que tu butes Messi sans galopin. C'est même pas pour dire que je vais perdre, parce que je sais que le combat, je l'ai gagné. C'est juste que je veux garder mes 600 galopins, t'es fou. Je vais jouer autrement. Ok. Alors. Voilà. On ne touchera pas mes galopins. Ah, ça, en même temps, j'avais ultime résurrection. Je suis bête. Ah, ça c'est relou. Voilà. Oh non, c'est bon. Vas-y, tu peux. Alors par contre... Ah, ça coûte cher les titans. Vas-y. Ah, c'est pareil qu'elle l'a rebuté. Tiens, un cadeau. Zéro perte. Zéro perte. Voilà. Ok, alors là, on peut s'amuser. Meteor. Tiens, tu tires, toi. Ok. Déjà ? Ouh. Triste. Ok, merci. Niveau 1, niveau 1. Ok. Bilou.
Je peux encore en mettre, hein. Oh, c'est tellement pas cher, je vais tous les vider. Encore un peu. Oh oui. Voilà. Je vais récupérer un peu de points de magie. Ah ouais, tu vas gagner. Bon, c'est bien en même temps, hein. C'est pas grave, je vais revenir, je vais t'écrabouiller. Je vais sortir une autre armée surtout. Je vais prendre un autre héros et bim. Ah mince. Ah bah tant pis. Bah, ah oui. Mais tu me bloques la porte là. Là, ouvrez le pont-levis sur les loups, ça en tuera au passage. J'aimerais bien. Oui, bah ouais. Ah. Oh. On voit la différence de niveau, hein. Ok. Dac dac. Alors, hop. Non, pas celui-là. Celui-là. Bon, déjà, ici, y a rien. Ouais, davantage. Ça fera pas beaucoup. Quand même que j'ai une plus grosse armée que ça. De l'argent, justement. Encore une arène. Il me chasse. Ah bon. On peut se faire qu'une arène, j'imagine. Par contre, ça, on peut en faire autant qu'on veut. On va reprendre ma mine d'or. Attention parce que s'il ressort. Pas qu'elle passe par le passage magique. Célia. Avec 150 dragons tout de même. Cadeau Célia.
Ça va être chiant. Allez, un bon coup là. Ouais, tu parles. Aïe aïe. J'ai même pas pu tous les ressusciter. Reste là, squelette. C'est bon, là. Voilà. Il est bien calmé. J'hésite. Bon. Merde, j'aurais pas dû tuer les fées. Voilà, j'ai perdu 7 titans. Si j'avais pas tué les fées, j'aurais pu continuer à faire Ultime Résurrection. C'est pas grave. 7 titans, c'est quand même énorme. Mais bon. Alors, je vais repartir par là. Comme ça, je peux me taper la tour au passage. Je pense qu'en une semaine, je peux avoir l'armée au complet. Alors, se régénérer les points de magie. Voilà. Attention, il va loin, lui. Ah bah voilà, ça, ça l'a calmé. Voilà. Il y a un puits. Ici, c'est la fête des barbares, quoi. Mais il y a un nombre de châteaux. Ok, donc là, je peux me déplacer davantage. Faut vraiment que je fasse le ménage, mais il y a un nombre de châteaux incroyable, là. On va changer un petit peu.
Ça tire. Ça tire plus. Ok, météore. Meteor. Bon. Huit. Ah, j'aime cette puissance. Qui n'est pas superflu, hein, vu les armées qu'on s'est tapées juste avant, franchement. Bon, rien de neuf. Et rien à recruter. Rien du tout, même. Ok, alors ce château-ci. Voilà, récupère du pognon. C'est pas grave. Il va diviser son armée comme d'habitude. Bon là par contre ce serait bien de stabiliser les châteaux à un moment, mais je suis pas sûr qu'on puisse arriver avec un seul héros, c'est pour ça que je vais en faire venir d'autres. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, pas foudre là, il n'y a pas assez. Hop, miroir. Un beau miroir. Ok. On va aller dans ce sens là, on va faire les diagonales. Ok. Là, vous coûtez cher vous. Allez. Hop. Bon, encore un petit peu. Alors, il faudrait que je puisse quand même renforcer les petits châteaux ici. Ce serait bien. Ah, plus de points de magie, bah on va faire sans magie. Alors là les gargouilles vont se faire, ni couille. Quick Sproom. Toi. Toi aussi.
Voilà. Ok. Ah. Jaune. J'avais pas prévu ça. Sur quelle vitesse? Très rapide, merde. Je voulais aller jusqu'au puits. Voilà. Ah oui, faut que j'achète dans les châteaux. Bah ouais, mais après si je veux me faire une grosse armée de l'autre côté. Pas évident, si je dois en plus tu me diras, c'est fait. Bon là je suis encore à côté. Hop. Au moins ceux qui tirent. Ah les loups. Jamais y arriver. Jacqueline. Si petit à petit faut quand même tous les dégommer quoi. Alors, hop, foudre. Toi t'es nombreux. Trop nombreux encore. Toujours trop. Voilà. Ah non. Pas gentil. Tiens. Bzz. La différence de coût quand même entre ces créatures, je suis halluciné. Un cyclope ça vaut tellement que dalle à l'achat par rapport à un titan. Ok. Magie, youpi. Tiens, rentre au passage. On peut pas. Eh ben, on passe. Ah bah t'as miroir aussi. Bon je suis en auto hein, je laisse là pour une petite garnison comme ça franchement m'intéresse pas trop de jouer. Enfin de réfléchir. L'ordi peut très bien le faire, de toute façon on va perdre, on sait qu'on a perdu. Allez. Où est-ce qu'ils les trouvent leurs titans? J'espère qu'il y a un château de magicien pas loin, que je puisse en acheter.
Juste dedans au cas où. Bon, rien de phénoménal. Oh, Jojoche! Tiens, d'ailleurs, je regarde jamais du côté des recrutements. Non. Comment ça va, Jojoche? Très rapide. Hop. Plus rapide du tout. Allez, plus personne qui tire là, ça m'embête. Je gagne pas assez de sous, c'est terrible. Toi, tu te freines parce que je vois que tu t'avances vite. Top, 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 ne touche pas. Bien. Non. Voilà. 20 000 points. Oh là là là. Ça, c'est important pour avoir les... Voilà. Pour les cyclopes. Ah bah j'ai plus de sous. Même pas envie de remplir les châteaux vu qu'il les reprend comme ça. C'est trop long. Cela dit, je devrais repartir par là en fait. Pour reprendre les deux petits châteaux là. Voilà. Ok. Ouais, c'est des rues armées, hein. Je suis pas sûr que... Bon, allez. Amusons-nous un petit peu quand même. De toute façon, je l'aurais buté la moitié d'ici là. Soyons honnêtes. Bonjour. Vous êtes de plus en plus faible. Hop. C'est ça. Barre-toi. Est-ce qu'il va réussir à m'en tuer un?
Même pas. Et moi? La moitié. Combien il reste de points de vie? 13. Ah! Bravo, bien joué. Combien reste de points de vie? 123. Voilà. Dommage. Ok. Voilà. 8008. Très bien. Et l'autre. Kill burn, allez. Comme ça, tu peux choper de l'expérience au passage quand même. Ok, hop, ça. Encore. Vas-y. Cuit-cuit. Et pan. Balistique, parce que navigation il n'y aura pas grande. Ah bah qu'est-ce que tu fais là? Allons. Ah mais oui, j'ai commencé à te faire aller, oui. Je suis pas allé jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Bah oui, ils vont les reprendre évidemment. Je les épuise pour l'instant. Oh, 83 dragons. C'est le rouge, hein, il est terrible. Alors, ouais, tu tires des haricots, toi, on s'en fout. Bim. Ok.
Et voilà! Plus de défense, plus de thunes, surtout là, de l'or. Jezebel! Jezebel. Blanc. Non, on va se méfier quand même des petits gobelins. Voilà, et là, faut que je coupe pour reprendre ce rouge-ci. Cours par là, eh ben, faisons comme ça. Principe de logistique. Principe de tir à l'arc, très bien. Bah oui, prends-le, évidemment. Coucou. Les osios, les gamins et les cochons. Ah, t'es plus rapide que moi là. 30 phoenix. Tu m'as tué un titan. J'aime pas ça. Ah non, j'ai pas voulu faire ça. Bon, d'accord. Voilà. C'est sympa d'embaucher des cyclopes pour... Enfin, vous avez vidé le château, là. Il n'y a plus de cyclopes, j'imagine, dans le château. À recruter. C'est triste. Ok. Allons, rentre. Et là, il commence un petit peu à s'épuiser. Ah, tu existes toujours, toi. Laisse-moi te rebattre. Avec grand plaisir. On a commencé avec toi, on finira avec toi. Et c'est donc le violet qui t'a recruté. Je t'ai loupé dans la liste ou quoi? J'ai peut-être pas regardé. Ah, j'ai plus de magie.
Oui, bien sûr. Alors, celui qui tire quand même plutôt. Oui, voilà. C'est ça, barre-toi. Et nous voilà ici. Très bien. J'ai plein de sous. Ah oui, c'est cher. Bien, je vais constituer cette deuxième armée encore pour la faire descendre elle aussi, sait-on jamais. Parce qu'il nous reste encore un continent au sud aussi à découvrir. Hein. Et oui, bon, on a quand même bien avancé, puis je trouve ça assez ironique d'avoir fini cet épisode contre le grand méchant qu'on a battu en début d'épisode. Donc on va s'arrêter là, jusqu'au prochain. Je vous invite à consulter tous mes let's play sur ma chaîne, le premier Heroes of Might and Magic bien sûr, ou bien le 3, et bientôt le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, on les fera tous, même ceux qui n'existent pas. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, on se retrouve bientôt pour la suite, et je serai encore moins content et je vais encore plus les détruire. Ciao.